Salut les mecs. Ouais, on a encore un petit paquet de unboxing à faire. Et ouais, c'est toutes les semaines comme ça en fait. Tous les lundis ou tous les jeudis, je me retrouve avec 5-6 paquets et c'est formidable. Je m'éclate tous les jours comme un gosse. On va commencer par le tout petit au-dessus, à savoir que les trois premiers viennent d'une seule et même personne, à savoir Alex. Donc déjà, je te remercie pour ce qu'il y a dans le petit carton. Je n'ai pas encore regardé, mais je sais qu'il y a un petit quelque chose pour moi. Et deux de ces engins qu'il va vendre au CAS pour pouvoir évidemment acheter un X-Max. Là-dessous, on a un Techno RC qui nous vient d'un autre Alex. C'est un kit complet que je vais monter en vidéo pour vous. Vous pouvez remercier Alex parce qu'il a la patience d'attendre que je vous fasse les vidéos de montage. Et en dessous, nous avons un autre colis, mais je ne sais plus. Si, ça y est, ça me revient. C'est un scorpion qui a été acheté pas cher d'occasion et qui a été envoyé ici pour être préparé donc avec le DIFSEN. L'électronique est déjà normalement avec. On fera donc le nécessaire pour en faire une belle bague. Voilà, je vais mettre tout ça de côté. Pas prendre la pile à la fois. Manu, il est optimiste. Mais Manu, il a oublié qu'il est fatigué. Hop! Commençons donc par le tout petit colis qui va avec. On va le faire en deux vidéos, comme ça sera séparé. Nous avons ici un Team Magic E5 HX, la version RTR. Dans ce colis-ci, pour le King du RC Garage 68 gaz à fond. Alors, on ne le dira jamais assez, alors un grand grand merci pour tout ce que tu fais, tes vidéos, tes conseils, tes bêtises, bref, change rien. Je t'envoie deux engins à vendre pour une X-Maxtisation, à terme du garage 68 bien sûr. Le Hobau GT a été acheté pour Noël, Papa Noël, mais je préfère le TT, donc je m'en sépare. Vous verrez, la GTS est déjà venue ici, on a préparé là-dessus les diffs et la suspension. La Caro a pris un vélo alors qu'elle était encore neuve. Dégoûtée, quelques rayures sur le châssis. Elle a servi 4 packs en 3S et 2 packs en 4S. Nous allons voir ce qu'elle a cette Caro. Je ne suis pas trop inquiet quand même. Batterie baseline comme neuve. Les pneus aussi sont neufs. Tout vient de chez Wartell. Pare-choc avant juste fendu, mais j'en avais commandé un aussi. La préparation subfaite et diff, c'est toi qui l'as réalisé, donc ok aussi. Alors, nous allons mettre cette petite V-Sline avec la GTS et nous avons ici la Lipo Peak qui est donc Kyosho 3S5045C en parfait état, nickel pour le E5 sur lequel nous allons arriver maintenant. Donc, le E5 A6 à 1 environ, super machine. Je laisse aussi une Lipo 3S en très bon état, 10 packs, 2 roues neuves d'avance, reste à jeter un coup d'œil sur les suspects pour éventuellement une préparation garage 68. Il y avait un film pour le châssis, il n'est pas trop rayé. La housse de 6, c'est comme on veut, certains n'aiment pas. Merci encore, boss. Signé Alex. Post-scriptum, un petit présent de ma région, régalez-vous bien, ta famille et toi. Et j'ai donc reçu de la crème de marron. Ça, c'est pour moi, Gigi, elle déteste ça. Moi, par contre, j'aime bien. Et par contre, Gigi, je pense qu'elle va préparer les bonbons fourrés au miel. Très bonne idée, ça va changer du miel en pot. Excellent, Alex. Je te remercie. Et passons sans plus attendre, parce que là, les mecs, ils en peuvent plus. Ah, vas-y, des balles. Que je te mail tout de suite si je le veux ou pas. Il y a peut-être un petit malin qui a mailé direct en voyant le titre, sans savoir ce qu'il y avait dedans. Ça vient donc de chez RC Diffusion. Tout ceci est encore sous garantie, la machine a un an. La télécommande Team Magic que j'adore. Franchement, avec sa bride de puissance ici et ces trims là, simple, efficace. Voilà, c'est du plastique pas cher comme sur souvent les VRTR. Par contre, la gâchette est précise et la direction aussi. La télécommande est très fiable. J'en avais déjà plusieurs avec mes Team Magic. Les petites roues du HX avec le méga déport, et il me semble, je ne bouge pas, que ce sont des hexas de 14. Bingo! Les puissances augmentant de nos petits 1 dixième, ils commencent à faire des hexas de 14 sur les moyeux de jante.
Ils auraient pu faire 17 et tout passer en 17, comme ça on pourrait tout monter n'importe comment, comme on a envie. Les pneus de ce petit RTR sont d'excellente qualité. Ils sont extrêmement mous, la mousse elle va de gauche à droite, elle est vraiment super remplie. C'est géant. J'ai adoré les pneumatiques de mon HX. Là, il y en a une qui est donc trouée ce côté, c'est un peu mou. C'est pour ça qu'il y en a deux de plus toutes neuves. Moi, je vais vous recoller ça, ça n'empêchera pas de l'utiliser, vous allez voir. On a fait le test sur un pneu de X-Max avec de la... Max Strong. Et aussi, moi, j'ai utilisé pour voir la Patex Repair Extreme. Et j'ai collé les crampons d'un pneu de X-Max qui se sont décollés les uns après les autres dans le chantier après avoir roulé sur un truc coupant. Et ben, ça tient. Nous avons des bras de suspension supérieurs, plot de carreau, bras de suspension inférieur et ça on sait pas ce que c'est. Dust filter, c'est les filtres à poussière pour le variateur. C'est peut-être un peu exagéré. Hein. Alors, un petit coup de soufflette dans le filtre à poussière, ça va très bien. Et puis c'est juste pour empêcher la poussière d'aller dans le ventilateur moteur. Le ventilateur du vario, pardon. Tiens d'ailleurs c'est sympa, regardez. Quand vous achetez les pièces aftermarket, comme on dit, chez HRC, qui sont donc pour Team Magic, elles sont estampillées HRC. HRC est un importateur qui est placé en Suisse, en Allemagne et en France. D'ailleurs, ici, tout près de la frontière, il faudra une fois que j'aille le voir pour parler avec lui. C'est Lionel qui s'occupe de ça en France, et en Suisse et en Allemagne, c'est quelqu'un d'autre. Il y a évidemment la notice avec et tout ce qu'il faut, et vous avez vu, il y a la boîte d'origine. Alors, petit hexa de 14, ce petit H5 est la copie du gros E6. E5 HX et E6 HX. Comme ça, il y en a pour les grands et il y en a pour les petits. Et personne n'a dit que les grands ne peuvent pas s'amuser avec la machine pour les petits. Je dirais qu'en 2S pour un petit c'est large assez, en 3S ce truc est absolument démoniaque. Il y a par contre les premières séries avaient des soucis avec les fusées. Bouge pas, dès que j'ai réussi à te mettre, j'ai plus l'habitude du indice, je suis quand pour mettre les écrous. Alors, ceci est le porte-fusée, ceci est la fusée. Quand tu as un système avec la fusée, donc pas sur rotule, tu as une chape. Tu as à l'intérieur de la chape la fusée, la porte-fusée, et ceci reste la fusée, c'est la tête du cardan en fait. Là-dessus, c'est du CVD. C'est-à-dire que même si tu décroches une suspecte, tu ne perds pas ton cardan. Il en a d'ailleurs devant et derrière. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Chez Team Magic, c'est quelque chose que j'adore. C'est le même bras de suspension. Devant, derrière. Enfin, l'avant-gauche, c'est l'arrière-droit, l'arrière-droit, devant, avant-gauche. C'est pour ça qu'il y a une paire à bord. Et par contre, les triangles inférieurs sont, je vais vérifier ça quand même, que je ne vous dise pas de bêtises, identiques. Ils étaient identiques sur le E5, oui, c'est identique sur le, pardon, identique sur le 6, et là, c'est le 5, c'est identique. Donc, châssis, pas trop rayé, même petit système de construction, donc avec le bulkhead avant-arrière, le petit renfort qui relie au châssis. Châssis au centre, un peu plus haut que sous les triangles, c'est moins marqué que sur la version E6. On a malgré que ce soit un dixième des gros roulements dans les fusées. Les diffs sont assez libres. Et je le disais tout à l'heure que le RTR a quelque chose en moins par rapport à la version kit. C'est qu'il n'a pas de diff central. Ça, c'est un peu dommage. Et il n'a pas de slipper non plus, à moins que je dise une bêtise. La carreau, qui est donc en parfait état, il avait pris le soin de la toiler. Les clips de carreau, il nous les a tranquillement fixés à l'arrière pour pas qu'on les paume. Ça, c'est cool. Alors, je vais t'ouvrir la petite housse. Voilà. Et je vais vérifier que je ne dise pas de bêtises. Effectivement, nous n'avons pas de slipper. Non. Sur ces Team Magic, on a Servox 15 kWh proof. Largement suffisant pour le 1/10. Sur le 1/5, c'est vrai que des fois, c'est un peu juste. Si tu t'en sers beaucoup, ça peut chauffer. Moteur 3500 ou 4000 kiwi. On va vérifier sur la boîte quand même, je ne vous dis pas trop de bêtises, je ne m'en souviens plus vraiment. C'est le 4400 kV, carrément.
Ils appellent ça le Thor. C'est a priori, a fortiori, soit un goût RC, soit c'est l'original Obi-Wan qui a été rebadgé. Le Vario, lui, c'est Obi-Wan. C'est le XR10 SCT. Il y a effectivement un petit filtre dessus pour empêcher les saletés de tomber dans le ventilo, mais ouais. Si les graviers passent dans les rainures ici, c'est au moment où tu retournes en général que les graviers passent dans le ventilo et te flinguent le ventilo. Alors si c'est super efficace, je sais pas vraiment. Moi perso, j'ai pas de soucis sur mes varios en général, je roule sans rien dessus de toute façon. Après, c'est vrai que quand tu roules dans une gravière, ça craint. Là, il y a la housse, donc il y a pas encore besoin de ça en plus. Sinon, faut juste faire gaffe à la chauffe. On a un bac à batterie qu'on pourrait croire énorme puisqu'on se dit c'est la moitié du châssis. Et ben non, puisqu'il y a ici la couronne de diff qui est d'ailleurs en métal, tout comme le pignon. Et on retrouve un bac à batterie donc un peu plus petit, mais 2, 3, même 3 escoquiers rentrent largement là-dedans, 5 jusqu'à 6 000, je dirais. Après, selon la dimension des batteries, ça risque de devenir un problème. Contrairement au E6, ils ont mis les câbles dans une goulotte pour aller à la super boîte radio qui est celle du E6, qui est, je le répète, la meilleure boîte étanche du marché dans ce domaine. Il n'y a rien à faire. Amorto plastique. Comme sur le E6 normal, très très souple cette suspette. Moi j'adore, enfin les réglages d'origine de ces T-Magic sont pas mal du tout. On a les bras de pare-choc, tout comme le E6, qui sont copiés sur les anciens MT, genre Savage Flux, qui ont le même souci, c'est-à-dire que sur les chocs ils s'écartent. Ils auraient dû mettre un petit renfort ici à l'intérieur pour les laisser droits. Pare-choc est par contre assez gros. Skidplate aussi. Nous allons bientôt normalement recevoir la version ARTR, vous verrez les différences d'équipement. Très malin aussi le petit bouton qui est ici sur le côté. Très rare quand même d'aller heurter là et de détruire le bouton, donc je pense pas que quelqu'un ait dû avoir des soucis avec ça. Si un d'entre vous a cette machine et qui c'est arrivé, merci de le signaler. Les noix de cardan et le cardan. Mais ben, Obitech, je pense que vous devriez appeler Team Magic pour vous fournir chez eux parce que ça bouge pas chez eux. Hein? C'est qu'un petit indixième, il y a quand même des grosses roues, il y a quand même des axes de 3 dans les noix de cardan et ça tient. La roulette est réglable et sur roule-ma-bille. On peut descendre à peu près ici, donc on a le choix de l'angle. C'est simple, plus c'est vertical, plus c'est facile parce qu'il suffit d'un tout petit coup de gaz. Bah, c'est pas la peine d'arracher les gaz, hein. Il y en a plein qui vont faire des winnings plein gaz. C'est obstiné à mettre plein gaz et à faire. Bon, là, évidemment, il n'y a pas de diff centrale donc il monte encore plus vite. Mais quand il y a un diff central, ça fait mouliner les roues avant pour rien, elles pètent, t'évapores ta puissance, tu fumes ton diff central, ça sert à rien. À un moment, il faut savoir lâcher les gaz. Donc, tu mets un tout petit coup de gâchette. Bien sûr, tu vas en contact, hein. C'est du brushless, c'est pas du thermique. Tu vas en contact pour que les dents et tout se touchent, avancent. Là, tu mets un tout petit coup de gaz, ça se lève, ça se pose sur la roulette et une fois que tu es dessus, tu restes à 20-30% des gaz et il file sur la roue arrière sans problème. Il n'y a pas la batterie dedans. Du coup, c'est un peu raide. On va rapidement la mettre. Juste pour voir ce que ça dit avec la masse supplémentaire de la batterie. Alors là, il faut faire gaffe sur cet engin comme il est en sans diff centrale en 3S, c'est chaud à piloter. Il y a une option diff centrale, je vous conseille vivement cette option. Dans la version ARTR, elle est fournie avec. La petite housse, eh ben, moi j'aime bien, franchement, cette petite housse, c'est super bien fait pour ce petit machin. Ouais, là on est bon, tu vois. Ça reste un peu ferme. Après, il y a l'éclipse de prétention. On peut peut-être en virer quelques-uns, voir ce qui nous sort. Bouge pas. On va virer les deux plus gros, juste pour voir si c'est vraiment une grosse différence. Ouais, les deux plus gros, c'est trop. Et effectivement, sur celui-ci, nous allons checker un petit réglage de suspect, effectivement, à faire. Ça me convient pas tout à fait. Quoique, bon, il se pose bien. Faut y laisser qu'il se pose bien. Faudra aller faire un essai, voir ce qu'il dit sur le terrain. À ce sujet, un message pour Cobra 81, si je me trompe pas, 81 ou 85, qui m'a dit: je suis très déçu de toi, Mani.
On n'utilise pas les vis de drop pour régler la hauteur de caisse, ça se fait avec la précontrainte des ressorts. Eh bien, tu as en grande partie tort, tout simplement. Quand tu enlèves de la précontrainte sur les ressorts, le véhicule effectivement descend, puisque ça se comprime. Mais ce n'est pas ça qui règle ta garde-sol, puisque quand tu tires sur la machine, comme tu peux le constater ici, on a les ressorts réglés mou, donc d'après toi, on a une hauteur de caisse basse, et bien c'est faux. Regarde. La caisse monte encore. On a donc toujours la même garde-sol en changeant les précontraintes. Et en plus, si tu durcis les cales de train pour monter le véhicule, la suspension va devenir trop dure par rapport à ce que le véhicule peut avancer, peut encaisser niveau poids. Donc tu vas commencer à rebondir. Et les vis dans les triangles, que tu appelles les vis de drop, sont les vis de butée. Quand tu serres les vis qui sont dans les triangles, ce petit team magic qu'on a ici, qu'est-ce qui se passe? Quand tu serres les vis, eh ben, tu brides la suspension et tu bloques ta garde-sol. Et là, le véhicule est plus bas définitivement et tu peux toujours encore changer la dureté des suspensions par rapport à la longueur du débattement de suspension. C'est quelque chose que je t'invite à aller voir sur une GT1 8e. Il y a des ressorts très courts puisque tu peux soit mettre tout en haut, soit régler tes vis de butée et remonter ici et ensuite caler tes suspensions pour qu'elles soient à la bonne hauteur. Tu n'as pas tout à fait tort, mais une vis de butée reste une vis de butée, elle sert bien à buter. Et la précontrainte des ressorts ne sert qu'à durcir ou à ramollir l'auto, elle ne change en rien la hauteur de caisse. Effectivement, quand il est posé, il est plus bas, je le répète, quand la suspension est molle, mais ta garde-sol reste élevée. La seule chose qui empêche ton triangle de descendre et donc de régler ta garde-sol, ce sont les vis de butée, donc ce que tu appelles les vis de drop. Voilà. Donc contactez-moi si vous voulez cet engin, si vous voulez qu'on jette un petit coup d'œil au niveau révision, je pense qu'il n'y aura rien à faire vu l'état des noix et des machins, il n'a pas servi beaucoup. On va donc s'en occuper, si vous voulez qu'on règle les suspects ou autre, si vous voulez qu'on installe le diff central option, vous le dites aussi. Alex a rajouté ici la protection de toit latérale et la prise d'air du E5, ce qui est une super idée puisque ça évitera à la carreau d'être explosée. C'est dommage d'ailleurs que sur ce petit E5 il ne l'ait pas fait comme sur le E6. Il y avait aussi même la petite protection ici au niveau du capot pour éviter sur les retournements d'amocher là-bas. Voilà, il y a donc radio, lipo, boîte d'origine, pièce de rechange, pneu de rechange vu qu'il y en a un qui est amoché. Mais celui-là, je répète, je vais vous le coller. Vous pourrez vous en servir sans souci. Et on va passer tout de suite à la GTS de Alex. Salut!